Allemand. Bonjour, bonjour monsieur. Alors c'est vous monsieur qui avez reçu les balles? Oui, mademoiselle, oui, c'est moi, oui. Eh ben, t'as eu raison, Migaud. Je le trouve exquis. Pardon? Et vous vous êtes réconciliés? Oh, eh ben, je vous comprends. Que je le dis toujours à Fred. Si j'avais fait comme Migaud, tu me respecterais davantage. Ah, parce que tu crois qu'elle a tiré sur lui par amour? Ben, il en est fortement question. Ça, c'est drôle alors. C'est sur moi qu'elle a tiré. Des clous. Ben, demande-le lui. Oh, il peut toujours te le dire. Ah, ben voilà qui est violent. Mais mon pauvre vieux, toi, c'est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne? Bah oui, alors tu y crois, toi, monsieur qui passe et qui reçoit deux balles par hasard? Oui. Moi aussi, mademoiselle, j'y crois, je vous assure. T'es dégourdi pour un danseur mondain. C'est par hasard, pourtant par pur hasard, un heureux hasard, je dois le dire. Mais c'est un gentleman. T'as bien choisi? Non mais dites donc, j'ai l'air de quoi, moi, dans cette affaire? Monsieur se vantait. Quoi? Monsieur revendiquait les balles des autres. Il faudra venir me voir, camarade. Oh ben, hein? J'habite juste en face. Ou quatre. Bien, bon, ben d'accord. Oui, bien, vous m'êtes très, très sympathique. Ben, vous êtes très gentil, mes enfants. Tu le laisses à venir, hein? Mais dis pas à moi, quoi que t'en penses. On dit ça et après, le sang coule. Oui. Ah, mais ils sont tous là. Bonjour. Josette, dépêche-toi. On voilà. Va répéter. Ah, oh, mais il va venir là, moi. Les hommes, hein, restez là et ne bougez pas. Mes petites chattes. Oui. Il faut d'abord vous pénétrer d'une chose très importante, vous travaillez dans le chat. Oula, on s'en doutait. Hein, voilà. Nuit bleue, projecteur blanc, enfin vous voyez ce que je veux dire. Quoi, de la douceur, de la grâce, du moelleux. Hein? Vous n'êtes que quatre, mais vous devez en avoir pour 16. Rien de plus facile. Parfait. Alors, allons-y. En place, mes petits. Allez, garde-moi. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Un, deux, trois, quatre. Il a pas de tu permets. Alors là, j'estime que tu mets pas assez d'expression là-dedans. Tu vois, ça vient peut-être de ce que tu t'es trompé. C'est toi qui es de Béthune. Ah oui, oui, je t'en entends. Tu comprends, il est de Château, tu es de Béthune. Enfin, c'est la clé de la chanson. C'est là, n'est-ce pas? C'est là qu'est le drame. Ah, oui. Hein? Ouais. Mon petit, alors donne-le-nous, le drame. Allons-y. Il est de Château, je suis de Béthune. Il a pas le sou, il a pas le sou. Tu permets. Moi, je trouve qu'elle devrait dire plutôt « il a pas de sous, elle a pas de fortune », parce qu'à mon avis, le drame est plutôt là. Mais au contraire, enfin, je ne sais pas, moi, c'est leur seul point commun. Voyons, c'est ça qui les rapproche. Moi, je m'en serais pas douté. Hein. Écoutez, je suis navré de me répéter, mais on ne voit pas le drame, hein? À la fin, cette femme, c'est Bérénice. Qui c'est ça? Non, qui fait répéter ici? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Bon, alors ça va bien. Les petites, on reprend. Et puis pas vautrer sur le piano, s'il vous plaît. Prenez vos colliers et en place. Allons-y. Un. Je suis blonde partout, il aime les brunes, il aime les brunes. Il est jaloux, j'ai pas de rancune, j'en aime beaucoup, j'en aime beaucoup. Il en aime qu'une, mais ce soir il fait clair de lune. Qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça fout? Me montrer ton clou, 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 clou,
Épatant, mais quelle finesse ce texte. C'est vrai. Mais quelle invention, mais c'est merveilleux. Et alors le coup du clair de lune, hein. Franchement, on ne peut pas résister. Mais alors, écoute, lune, moi je peux pas parce que j'ai mal à la gorge, mais lune, si bémol. Oh, tu penses bien que si on le fait pas au bout de 10 répétitions, ton si bémol, c'est qu'il n'est pas naturel. C'est si qui est naturel. Mais s'il y avait qu'un. Comme même un bécard. Mais avec un bécard, ça ne voudra plus rien dire. Bon, bon, on en est, hein. Comme. Non, enfin, Migo, est-ce qu'il te gêne, toi, ce bémol? Oh, moi, tu sais, hein. Tiens, elle le fait, elle, ce bémol. C'est parce qu'elle est triste. Alors, dès qu'elle voit un bémol, elle se jette dessus. Mais pour les gens normaux, il n'est pas possible. Vraiment. Bon, monsieur, écoutez, bon. Non, c'est simple. Vous vous arrangerez avec le compositeur. Moi, bon, ça bon, ne sont bon, pas bon, mes bon, oignons. Bon, hein? Bon, alors maintenant, nous y allons pour la danse. Ah, s'il vous plaît. Attention, bien précis, s'il vous plaît. Un, deux...